bonsoir tout le monde. Vidéo ça, je fais spécialement pour m'adresser à Johnson Napoléon, que depuis 2020, je tenu une série de propos qui partent importants, de trucs que je dit qui partent nécessaires, parce que je bat vraiment contre Johnson Napoléon. Et vraiment, et pendant 3 ans, ça a eu que c'est du bien seulement moi, sur les réseaux sociaux, que Johnson Napoléon a fait. Sur le plan culturel, monsieur Poté support la communauté haïtienne et aider tant d'autres jeunes à émerger, à faire business, tout ça. Et avant pour me continuer plus, me dit monsieur félicitations parce que me bat connait cette dimension vraiment mon ça l'itayé. Et puis ça te vient prendre 2023, me dit que on est bon ça moi qui fait toute bail ça. Pour quelle raison pour me braler au mois de septembre pour me braler dans la justice avec monsieur Robzi. L'arrivée devant la justice, c'est pas ça bien on va le dire des nègres là. Et puis devant qui est-ce, devant juge blanc, et comme si me sentis diminué comme petite Dessalines et Johnson Napoléon tout. Petite Dessalines en tant que haïtien, en tant que américain d'origine haïtienne, moi-même en tant que canadien d'origine haïtienne, me sentis vraiment plat pour me dire des choses négatives dans le monde moi qui fait toute bagaille ça au cours de 3 dernières années ça OK surtout ça le fait déjà me battre connait. C'est pour ça frère Johnson Napoléon me présente excuse-moi et non question de classe bourgeoise noire que moi-même spécialement m'a prôné m'ta prendre naissance dans le pays d'Haïti. Parce que avec comme influenceur, avec fan de BG International, on est tant qu'au quand même capitaine classe bourgeois noire pour nous retirer le pays à côté de l'IA parce que c'est nèg noir qui reconnaît valeur nèg noir. Et moi c'est fan de BG, on va le camper d'ailleurs dès après que fin les deux textes qui présentent aux excuses et avec toute sincérité mon brother. John Golem m'a vendu bagan rien contre tout. Tenu m'te pro m'te tenu en 2020 yo, jusqu'à 2023 même quand même mettre 2023 là dans ces bagages qui pas de camper sur rien et me faire rétraction dans bout de vidéo ça de tout ça me dit de où et moi via 2 textes français créole moi lire là pour vous et m'a demandé tout blogueur tout fan de BG International poster au tout côté et m'a demandé technicien tout mettez toute vidéo ça sur toute plateforme de BG International yo dès après me finir là mon cher. Je salue et en pile dans mon frère, je lis, je garde, et comme si c'est un membre de la famille qui sorti, et mes frères qui réussissent, même j'avoue, même pas quoi avoir, je me félicite. Surtout, je te cite nos papas qui étaient morts déjà, nos détails, c'était bagaille personnelle, c'est manque d'expérience moi dans le micro qui t'a fait ça, et ça, style de bagaille, ça va répéter encore. Pour me rabaisser, sale réputation dans ce sens, mon cher, excusez, et dans le texte, je vais comprendre ça. Et me faire rétraction de toute ça me dit d'idéaux, brother. Aujourd'hui, je dois vous parler d'une situation dont je suis pas fier. En effet, j'ai commis des erreurs graves envers un membre estimable de la communauté haïtienne. Ces erreurs, j'en suis le seul responsable. Je vais donc tout d'abord m'adresser à lui, car je veux lui présenter mes excuses. Johnson Napoléon, monsieur Johnson Napoléon. Je comprends maintenant la douleur et le désagrément que je vous ai causé. J'en ressens, monsieur Napoléon, du remords. La manière dont les erreurs se sont produites résulte de mon manque d'expérience et de manque de rigueur dans ma pratique médiatique. Ce que je regrette sincèrement, je réalise maintenant que le fait de tenir un micro est un privilège et qu'il ne faut pas en abuser. De telles erreurs similaires ne se reproduiront plus à l'avenir et je ferai preuve de plus de professionnalisme dans mes propos, monsieur Napoléon. Je suis désolé. Je comprends que mes propos envers vous n'étaient pas exacts. Je regrette le tort que j'ai pu causer à votre nom et votre réputation en Haïti, Chili et même aux États-Unis. Mon désir, monsieur Napoléon, est que vous vouliez bien un jour me pardonner. Je m'adresse maintenant à vous tous. Il est bien connu que monsieur Napoléon a réalisé de nombreux accomplissements et contributions positives envers sa communauté. Il a travaillé dur pour arriver là où il est maintenant. Il avait donc à ce que son honneur et sa réputation soient reconnus. Le propos que j'ai tenu à son endroit depuis 2018 et qui ont pu le blesser et même tenir sa réputation était sans preuve ni documentation. Et d'autres termes, ces propos n'étaient pas exacts et n'auraient pas dû être tenus.
En particulier, les allégations suivantes que j'ai faites sont inexactes. Allégations au sujet de sa participation et de mauvaise utilisation des fonds Petro-Caribé, blanchiment d'argent et participation à des activités de corruption. Napoléon, Mr. Napoléon, n'a rien à voir avec de telles situations. Allégations au sujet de sa participation à des activités criminelles. Monsieur Napoléon n'a rien à voir avec de telles situations. Au sujet du collège Azur que dirige Monsieur Napoléon, cette institution n'a à voir ni avec du blanchiment d'argent, ni avec de la mauvaise utilisation de fonds de Petro-Caribé. Je reconnais que le collège d'Azur a remis des bourses d'études et à des étudiants d'origine haïtienne et que c'est sous cette forme qu'un montant de 400 000 a été distribué ainsi dans la communauté. Au sujet des activités commerciales de M. Napoléon au Chili, mes propos étaient sans fondement. Enfin, j'ai tenu sans raison des propos envers le défunt père de M. Napoléon, M. Sainte-Croix Napoléon, également par respect pour sa mémoire, il y a lieu de rappeler que les accomplissements réalisés par celui-ci similaires à ceux de son fils. C'est au nom de M. Sainte-Croix Napoléon que je vais d'ailleurs faire une donation à la Faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti. Je reviens à vous, M. Napoléon, car je souhaite à nouveau vous réitérer mes excuses. Vous pouvez être certain que je prends la situation au sérieux et reconnais l'impact de mes actions. Mon désir est de restaurer la confiance entre nous et que vous repreniez le cours normal de votre vie. Ça, c'est le texte en français. Le texte créole, je vais lire pour vous. Fanatique John Colin Morvan, fanatique bébé Jimio, je dis à moi de parler avec nous de yon situation qui m'a fier de lui du tout. Qui s'allie? Moi passé de janvier 2020, de Willem tenant Radio Écoute FM en avril 2023, à parler de nous de yon membre valable dans la communauté haïtienne. Hein? Je dis à moi, viens dire nous que ça m'était qu'on a dit sous monsieur, ça, c'est pas de bagaille qui m'a preuve. Ni tout, m'a pas approuvé. Me fait en pile erreur là l'aime t'a parlé de monsieur Sarah RSA yo c'est moi celle qui responsable yo. Donc premier bagaille moi pour le faire dans vidéo ça moi va parler avec lui directement parce que moi voulais demander l'excuse en public monsieur Johnson Napoléon kounya moi comprendre douleur à très car bagaille moi dit sou yo faire au passé moi senti yo Monsieur Napoléon, et moi gain regret dans cœur que m'té jamais metté tête moi dans position ça. Faut que moi dire moi pas gain assez expérience dans affaires médias, ça qui fait vraiment regret. Kounya moi réaliser que kembe un micro c'est un privilège et moi ak l'autre monde qui gain micro dans main nous, yo pas ta droit abuser privilège ça. Moi prends engagement pour pas faire erreur comme ça encore dans l'avenir. Et moi prêt à le montrer plus professionnaliste dans parole moi yo et Jean m'a approché de dossier yo. Monsieur Napoléon moi désolé. Moi comprendre kounya que bagaille moi te dit sou yo pas vrai. Moi regrette que parole moi yo fait wabi et yo sale réputation en Chili, Haïti et États-Unis. Et désikem monsieur Napoléon c'est pour un jour ou pardonner moi t'en prie même. Kitem parler kounya à nous fanatiques à bébé Jio. Nous tous connaissons que M. Napoléon réalisait un pile gros bagaille et il contribuait bagaille qui positif dans la communauté. Il travaille en pile et dans conditions qui difficiles pour arriver côté lié Kounia. M. Napoléon t'a doué Kounia a joui tout droit à l'honneur réputation. Ça, il bâtit par lui. Et me reconnaît ça. Parole moi dit sous lui depuis 2020. Yo, ça la réputation. Bagaille moi dit sous lui, yo t'es sans preuve. Et jouk jodi a m'a gen aucun document qui ka prouver samedi yo pour me dire non bien parole sa yo pas vérité et m'a pas droit di yo tout me dire en pile bagay sou monsieur Napoléon ak famille moi vle adresser sa yo en particulier concernant participation monsieur Napoléon dans mauvais utilisation fonds Petro-Caribé la Petro-Caribé
laver l'argent pour politiciens ou soit participation dans l'activité corruption, monsieur Napoléon pas gagné rien pour le avec l'argent Petrocaribéa. M'pa ka prouver ça, m'te dit nous, yo. On te dit nous que monsieur Napoléon participer dans affaires drogue, l'autre activité criminelle. Monsieur Napoléon pas gagné rien pour le avec affaires drogue et m'pa ka prouver ça, m'te dit nous, yo. Concernant Azu Collège, monsieur Napoléon a dirigé institution ça, pas dans laver l'argent Petrocaribéa. Et il n'y a pas de faire mauvais utilisation fonds Petrocaribé. Je reconnais que Azu Collège te baï boost d'études pour étudiants haïtiens te ka étudier États-Unis. Et $400,000, c'est l'argent pour payer pour étudiants. Ce n'est pas l'argent qui tape lavé pour les gens qui habitent, qui lapident l'argent Petrocaribé. Je voulais nous clair sur ça. Concernant l'activité commerciale, M. Napoléon a gagné dans le pays Chili, je n'ai pas aucun papier ni preuve qui a supporté parole, on te dit, nous, yo. Finalement, on te dit, y a un paquet de paroles, sans aucune raison, sous papa, monsieur Napoléon, monsieur Saint-Croix Napoléon, boss Sonson, on senti, on te sans respect pour mémoire, monsieur, Saint-Croix Napoléon, que d'après Sam Vin, on est kounia, qui te yon monsieur, qui travaille dit pour petit lio, rive, côté yo, yé, jodi, ya. Pour ça, mandé, monsieur Napoléon, pardon, Jean-monsieur Napoléon mandé, moi pral, je prends engagement pour m'bailler l'école journaliste, la faculté et sciences humaines dans l'Université d'État d'Haïti. Yon don, nan non papal, M. Saint-Croix Napoléon, pour aider former futurs journalistes pour Haïti. Je tourne encore avec vous, M. Johnson Napoléon, parce que je voulais encore répéter, excuse-moi, au public à coup. Pour qu'assurer que je prends situation ça, monsieur, je prends situation ça sérieux. Et moi reconnaître impact parole m'pa ka prouver yo gen souvi personnel ou santé ou sou business ou yo et souvi petit ou yo desikem c'est pour nous faire san capable pour nous rétablir confiance ken te gagner dans société avant de commencer parler de ou sur internet là pour ka continuer vivre la vie ou dans normalité Jean Satayé pour John Colin Morgan. Et j'aime t'ab dire, nous, obligé faire vidéo ça, vous excusez-moi auprès de Johnson Napoléon, parce que m'pas ouais John Colin Morgan, petit Dessaline, qui pral camper en face Napoléon, jeune garçon qui a aidé dans le pays d'Haïti et dans la communauté côté la fonctionner. Bon, dans toute communauté haïtienne, non, comme yon membre valable, côté Kembal dit des trucs qui pas nécessaire devant juge à l'étranger de Johnson Napoléon, et m'souhaite Johnson Napoléon, pardonnez-moi et acceptez, excuse-moi ça, vous me voyez Bali là, via vidéo ça. En pile là, mon frère, fanatique BBJ, fanatique Johnson Napoléon, je souhaite que nous comprenions tout bagaille, tout le temps nous venons plus dimension, nous venons plus professionnel, son respect lié. Johnson Napoléon, habit-il, côté Palme, habit-il, côté Palme, et on leur, nous tous les deux, à faire même bagaille dans le pays d'Haïti, l'app dans businessman, l'app jeune support, comme influenceur, l'app jeune support l'autre. Moi mais nous en pile et moi mes fanatiques Johnson Dio, moi mes fanatiques John Golem Morvan et me souhaiter Johnson Napoléon gain dimension pour accepter excuses publiquement et continuer travail. Merci en pile tout le monde.